annonce quand même de durs lendemains pour la Tunisie qui avait déjà été frappée par l'attentat du musée du Bardo. Mais là, c'est vraiment un coup en plein cœur, non seulement de l'économie tunisienne, mais aussi de l'imaginaire des touristes aussi, des gens qui ne voudront peut-être plus y aller. Tout à fait. C'est le port El Kantaoui. El Kantaoui à Sousse, c'est un des endroits les plus touristiques de la Tunisie. La Tunisie a été frappée le 18 mars au Bardo par un attentat. Et là, on n'a visiblement pas retenu les leçons de cet attentat-là. Il y en a eu un autre hier à midi, heure tunisienne. Et pour le moment, on déplore 38 décès. C'est vraiment très, très triste comme événement. Puis les images que vous voyez tous de touristes qui partent, ça fait très, très mal. D'abord, on s'incline à la mémoire des victimes. Ça va de soi, c'est des gens qu'on a malheureusement été incapables de protéger, qui auraient dû être protégés, qui venaient pour passer une semaine ou deux en vacances en Tunisie. Ça n'a pas été fait. Il faudra tirer les conclusions. Donc, hommage à ces victimes-là et aussi de dire franchement là, que c'est très, très problématique pour un secteur qui fait vivre des centaines de milliers de Tunisiens et au-delà de ça, donc au niveau de l'image de la Tunisie, c'est sûr que c'est très difficile. Mais malgré ça, il est clair dans mon esprit que la Tunisie va finir par se relever. Parce que la Tunisie est considérée comme un endroit relativement stable et beaucoup de touristes, même québécois, vont séjourner à Port El Kantaoui. Il y a des destinations, comme vous l'avez dit, là, stations balnéaires majeures. C'est stable, c'est considéré comme stable la Tunisie. Oui, il y a eu des soubresauts au cours des dernières années, il faut être honnête, depuis particulièrement, pas seulement depuis la Révolution, il y a déjà eu des attentats par le passé, mais c'était effectivement réputé pour être calme. Depuis la Révolution, il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu divers gouvernements qui se sont succédés dans la phase post-révolutionnaire. Et il est clair que il y a des lacunes quelque part, particulièrement la question de la sécurité, particulièrement la question de toute la gestion de ces groupes extrémistes-là. On sait quand d'un jour à l'autre, pratiquement, on était dans une logique où il n'y avait aucune liberté d'expression, à une logique où on a une totale liberté, presque sans aucune contrainte. Il y a parfois il y a des éléments des plus radicaux, les plus extrémistes, dans cas de figure visiblement des djihadistes. On pense qu'il y a des revendications du groupe État islamique de cet attentat qui commence à filtrer. Donc c'est sûr qu'il faut rester vigilant. C'est une guerre qui est imposée à la Tunisie, qui est imposée au monde entier. Hein. Pratiquement, les attentats, c'est pas qu'en Tunisie. Donc faut absolument combattre ce fléau mondial-là. Et il ne faut pas que la Tunisie reste isolée. Oui, d'ailleurs, je parlais à des gens d'origine tunisienne hier et il y en a un qui me disait « ce n'est pas un Tunisien qui a fait ça, c'est quelqu'un de l'extérieur probablement qui veut perturber la politique en place et l'économie ». Non, sincèrement, je n'y crois pas beaucoup. Là, il ne faut pas se voiler la face. Il peut y avoir des Tunisiens qui font ces attentats, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Je pense à l'exemple syrien. Je n'apprécie pas particulièrement le discours de dire de ce que je disais tout à l'heure, de se voiler la face. Il faut être franc avec nous-mêmes. Il faut être honnête. C'est effectivement une minorité absolue qui n'a aucune assise populaire. Ça, on peut tout à fait le dire sans crainte de se tromper. Mais par contre, de dire non, il n'est pas tunisien, non, c'est un des produits d'une éducation, probablement, d'un milieu de vie, d'éléments dans sa vie. Là, mais c'est faux, là, ce n'est pas un gros complot international contre la Tunisie pour déstabiliser la Tunisie seulement. Il peut y avoir des éléments tunisiens là-dedans qu'il faut absolument combattre en utilisant la loi, pas en mettant comme ça juste tout le monde en prison pour délit de faciès ou en torturant les gens, non. Les combattre de façon ferme, évidemment, mais tout en gardant à l'esprit l'importance du respect des lois, des libertés individuelles. Et en terminant, en quelques secondes, on sait qu'on est ça frappe d'autant plus qu'on est en plein cœur du Ramadan. Oui, c'est un mois sacré pour les musulmans.
malheureusement aussi pour ces groupes djihadistes dans leur idéologie. C'est à moi pour tuer davantage. Je ne sais pas d'où ils prennent ça, là, mais c'est visiblement leur idéologie. Et c'est très triste parce que c'est à moi saint, c'est à moi sacré, où normalement, d'ailleurs, même tous les différents doivent être mis entre parenthèses, même entre individus. C'est à moi où les gens, même ceux qui se disputent, reviennent, puis disent, regardez, on oublie ça et on passe à autre chose. Mais dans l'idéologie de ces gens-là, c'est à moi de terreur, de meurtre, et c'est terrible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Taïeb Mouala. Merci à vous.